ça va être balèze. Merde, mon Nostromo répond plus. Qu'est-ce qui se passe? Houston, nous avons un problème. Nous avons un problème technique. Là, ça marche. Ah, c'est revenu. J'ai eu peur. Alors, voler un micro sous-marin dans le module ERV sous-marin au large et aller jusqu'au labo océanographique. Dans le labo sous-marin du MC nous a endommagé et retrouver les schémas dont Gary Savage a besoin pour achever son constructeur universel. Cool. Alors, je dois avoir des images normalement. J'avais même pas vu sa photo à Tiffany. Même pas regardé. Ah ouais, oh la vache. Ouais. Mais la baie de sécurité, impossible d'aller dedans. Oh, j'étais bien à la cathédrale, j'étais bien. Alors, sous-marin Vandenberg, entrée, garde, modèle un module 2, scuba driving guard, point d'interrogation, on sait pas où on est. Et il y a URVB Underwater. Caca dans les yeux. Thank you.
C'est lui là-bas qui me tire. Oiseau qui est sur le... D'accord, c'est une mouette sur le conteneur, je préfère. Machine est en droit d'ouvrir la grille. Bon, bah on en apprend tous les jours. Lay off of me.
tiens, merde. Merde. Voilà. Ah, on regarde approvisionnement. C'est bon ça. Ça me plaît beaucoup. Ah, il a un livre. Ah oui, c'est la conne des amours. Oh non. Alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'influence des marées et des réseaux de communication sous-marins, mais dont vous n'avez jamais osé demander de peur de paraître incompétent, par R. Mickey. Introduction. La plus grande menace pour l'envoi de transmissions sans fil à travers l'eau est tout simplement l'eau elle-même. Les marées exercent généralement peu d'influence sur la force du signal, mais si vous avez affaire à une situation où le peu d'influence signifie la différence entre le succès et l'échec, alors il vous faut une aide contre celle-ci. Munissez-vous d'une référence de modèle de marée et faites face aux attentes du monde entier. Peu importe où vous êtes, vous aurez toujours les informations dont vous aurez besoin à portée de main. C'est que j'ai pas eu accès au... J'ai envie au tout début, putain, ça fait un quart d'heure que je joue, je suis entré qu'une seule fois et de manière fracassée, fracadingue. Ah my god. C'est génial. Il m'en reste combien des électriques, enfin anti-robots? Ça va, j'en ai pas mal, j'en ai 8. Yes.
ça bip bip bip. Attends, apparemment il y aura un truc là. Oh, je suis obligé de désactiver ce con. La porte, connard. Mais il est con. Ah oui, je me fais allumer, moi. Comment veux-tu qu'il en soit autrement? Incroyable ce con, il est resté comme un clampin devant la porte verrouillée. Incompréhensible. Ah merde, je suis bloqué par là. Job for the security boys. Le con, il est tombé comme un caca. Ça va faire 20 minutes que je joue et j'ai fait que de la merde.
ça c'est cool. Ça c'est très très cool. J'avais même pas vu. Attends, puis lui c'est un agent. Salaud. Salaud de snipe. Attends. Putain, le Mickey, je loupe pas, je te le dis. T'as la vitesse pour repérer. Non mais je peux pas là. Laisse tomber. Lui, il faudra que je l'ai en étant le même étage que lui ou en lui faisant la farce d'une bombe. C'est pas possible. Ouais. Trois roquettes, je suis mort. Chargeur, l'autre il est indemne. Non, pas valable. C'est pas comme si j'avais tiré dans la tête en plus. Okay.
sir. Ça, c'est de l'infiltration, mes amours. Pourquoi pas 150? Pourquoi il m'a mis un malus de 1 point, le salaud? Que signifie? Déverrouillé. Il n'y a rien d'autre de passionnant, apparemment. Ah.
probably come across scientists of mine who were captured and forced to work in the genetics labs. Maybe they'll lend a hand. C'est une équipe de Savage. Many of the scientists in these labs are either prisoners, spies for X-51, or indifferent to Majestic 12. Make use of them. Ah, je vais faire ce que je peux, ma couille. Something tells me you don't have permission to be down here. Don't even think about setting off an alarm. I was just going to suggest that you avoid the guards. You could swim through this tank to a feeding hole in the storage room. The hatch code is 1223. Watch out for the Karkian, though. Great. Maybe I'll give it a try. I got a bogey. Don't watch yourself. This one's some kind of mech. Someone should expose what's going on here. Watch it. He hasn't gone far. That's him. Watch it. He hasn't gone far. I have nothing. Repeat, nothing here. This laboratory. Watch it. He hasn't gone far. He's miles away by now. They're doing an exhaustive study of morphology, which leads to horribly deformed creatures. Creatures without limbs, fins, eyes, heads. No one cares if the poor monsters live or die, or how long they suffer. Ugh. I'd report this facility myself, but right now I need the job. C'est décapité dans la porte, c'est moche. Attends, l'autre con va pas bouger. Laisse tomber. Quoi ? Quelqu'un m'a vu ? Non. This laboratory's treatment of animals is abominable. Eh oui. Vous allez vous mettre la pétade. C'est cette bestiole. D'accord. I'd report this facility myself, but right now I need the job. Ah, c'est intéressant. J'entends des choses. Alors, mon problème, c'est qu'il y a la putain de caméra. Thank you.
juste énorme. C'est juste énorme. Quel bug de merde. Le gars, je l'avais comme une fleur, j'avais plus qu'à l'accueillir. J'ai accès au toit. Putain, mais c'est la classe intersidérale. Thank you.
c'est intéressant. Non seulement je vois tout, mais je flingue tout. Je regrette pas d'avoir vidé un chargeur pour trucider un trou du cul comme lui. D'ailleurs... Hop là... Je vais faire le tour du bordel. Le nouveau vigie, c'est moi. Je dois reconnaître qu'ils sont plus balèzes qu'il n'y paraît. Je suis obligé de le reconnaître. Fait l'homme en noir pour réussir à me dégommer. Je stresse.
Et je fais pas la bonne combinaison de touches pour me lever et prendre mes jambes à mon cou. C'est dingue, hein? C'est la touche là, faut que je retienne. Voilà, je reste bloqué en mode courir. C'est pas un dommage, au contraire. Chut. Wait for him to move again. Si je... Ce con s'est pas auto-détruit là. Si, c'est ce qui s'est passé. Pas très malin. Pas très malin et fort drôle. Alors. Putain. Ah merde, je savais pas qu'il y en avait un autre. Je regrette mon choix. Il m'arrive d'avoir 18 images secondes, tellement que le truc demande du... Le calco. Ah, il est passé de l'autre côté. Non. J'ai fait de la merde, je dois l'avouer. Pas professionnel, j'ai oublié de recharger.
cadeaux, il y a des caducs. Est-ce que j'ai fini mon café au lait? Oui, dommage. Dommage. Oh, il y a un mec mort. Oh, il y a des mecs morts. Mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? You Denton? Savage said to expect someone on a mission to the Ocean Lab. Denton's an old code name for my UNATCO days, but it seems to have stuck. I have a map of the facility. Also, you can use my login, A. Pinkerton, password, Antennapedia. You will need it for the computers in the URV bay. Thanks. You one of the scientists Savage lost to Majestic 12? My situation here is temporary. I still report to Gary Savage. Merci, McCoy. Dr. Pinkerton. Why do you stay? They have a gun to your head? You could say that. They have us doing standard experiments on marine animals. Homeotic stuff. Doesn't sound too sinister. Either they don't know what to do with us, or the significance of the data is a well-kept secret. Oh, hang in there. Tell Gary I'd do it again. No questions asked. The serious research around here went on in the Ocean Lab. You can imagine our jubilation when we heard about the accident. It seems Majestic 12 lost everything they were doing down there. Please leave the work area. Oh, but I can't help you. C'est tellement long que ça mériterait que je me note. À 12h23. Ouais. Alors, ça va faire bientôt une heure, je vais me faire une petite pause et puis je vais reprendre un peu plus tard.